Ok, ensuite... Tu sais, même avec tout ce que vous me faites vivre, je frissonne toujours devant un bon match. Oh, tant que tu ne retombes pas dans tes travers. Oh ça, non, t'inquiète, je suis juste spectateur. Pas de paris ou de trucs dans le genre. Tu es sûr? Sûr, c'est pour la beauté du sport. Rien de tel que de regarder deux grosses brutes échanger des coups. Cette agilité, cette force brute. Capitaine, je suis assez perplexe face à ton penchant pour une chose aussi... primaire. Non. Oui, je sais, c'est vrai, oui. C'est drôlement primaire, mais bon... c'est divertissant. On va sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. Préviens-moi quand tu voudras partir. Un peu plus tard, Cal. J'ai pour habitude de ne jamais perdre mon temps avec les insurgés de ton espèce. Mais j'aimerais retrouver un Jedi, un Padawan. Et je sais qu'il est venu ici. Et pour cela, vous allez tous beaucoup souffrir. Joycic et Marie ont marqué ton point de rendez-vous avec Tarful. Contente de te voir sain et sauf. Désolée de vous avoir fait attendre. Mais je n'ai pas abandonné Kashyyyk. La situation est grave ici. Esso est déjà reparti. Les pertes sont hélas trop grandes. Non. Si vous partez, les Wookiees sont perdus. Pas tous. Marie est restée ici avec Joycic et Tarful. Une partie de nos troupes les accompagne. Et toi? Ma fille a déjà perdu l'un de ses parents. Je ne peux pas rester, je dois partir. Mais avec les autres, nous trouverons un autre moyen de servir la cause. Bonne chance, Myrianna.
Kaki est mort asphyxié. L'Empire contamine toute la planète. C'est un droïde de sécurité. Tu penses à ce que je pense ? Tu me reçois? Terry m'a envoyé ta fréquence. Marie, est-ce que ça va? Je vais bien, contrairement à beaucoup d'autres. Est-ce que Myriana t'a indiqué le point de rendez-vous? Oui, oui, je suis en chemin. Parfait, on vient d'y arriver, mais on n'y restera pas longtemps. L'Empire est à nos trousses. Je vous rejoins dès que possible. Prête-moi, BD. Ces trucs ont l'air rapides.
J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Je te remercie, BD. Allons-y, BD. Marie, tu m'entends? Je suis presque aux terres d'ombre, devant l'épave d'un marcheur. Sue a réussi à en abattre un pendant sa fuite. Il est avec toi? Non. Plus maintenant. On en reparlera quand il sera là. T'as quelque chose? Ouais, fais-moi voir. Toujours des trucs. Merci, BD.
veux voir ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Betty? On arrive dans les terres d'ombre. Ça sent comme... Ça vient d'où ? Oh ! Toute la forêt est vivante. Je te tiens ! Pas à discuter. Notre seule chance de survie, c'est de quitter Kashyyyk. J'abandonnerai pas les Wookiees. Si des combattants veulent rester, ils sont les bienvenus. Alors tu resteras seul. Soldats, en avant! Allez, on va trouver Tarful. Allons-y, Bédé. Pourvu que Grise n'en ait pas peur. Il semble que cet endroit est sacré à leurs yeux.
J'ai déjà vu un endroit comme celui-là. Moi non plus. M'aider. Fais voir ça. Ces arbres.
Je sens la force qui entoure ce lieu. C'est ici qu'on doit retrouver Tarful. Contente de te revoir. Je te présente le chef Tarful. Je suis en mission pour maître Eno Cordova. Il recherchait un artefact Zepho. Si on le trouve, on pourrait sauver les Jedi. Où Cordova a trouvé la sagesse, tu trouveras des réponses. En haut de l'arbre des origines. Il est immense. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, peut-être que tu trouveras un moyen depuis ses racines. Mais la plupart sont immergés. Il te faut un respirateur. Merci. Qu'allez-vous faire maintenant ? La seule chose qu'on puisse faire, nous battre encore. Bonne chance. J'espère qu'on se reverra. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et So ? On a eu, disons, un différend. Il pense que notre guerre est perdue. Et toi ? Je ne laisserai pas les Wookiees souffrir seuls. Et si So a raison ? Si Kashyyyk était perdu ? L'Empire repose sur la peur et l'indifférence. En faisant front ensemble, nous contestons son existence. Cette guerre est loin d'être finie. Mais elle vaut vraiment la peine d'être livrée, même si on ignore son issue. Comment es-tu devenue résistante ? J'étais topographe autrefois. Je parcourais les planètes et je cartographiais leurs formations. Ça a l'air sympa. J'adorais ce travail. Et puis la République est devenue l'Empire. Les pauvres sont devenus des serviteurs. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, alors j'ai rejoint la cause. J'aimerais que tout le monde pense comme toi. On poursuit le combat.